Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo MSP où on va découvrir un petit peu le nouveau thème et également je vais peut-être un petit peu répondre aux messages. Voilà, donc je le fais pas souvent mais j'aime bien le faire quand je préviens pas. Parce qu'en fait c'est un thème strange, donc je pense qu'il y a des gens qui ont bien vu la série, c'était Stranger Things, hello. Et du coup on va aller voir ça. Moi ça me plaît bien vu déjà comme ça, parce que ça fait un peu rétro je trouve. Bah, d'ailleurs on a les jeux rétro derrière. Parce qu'il me semble que la série se passe dans les années genre 90 et tout, je sais plus. Je vous avouerai que j'ai vu que les 2-3 premiers épisodes de la série. D'ailleurs si vous avez vu la série Stranger Things, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut le coup. D'après tous les témoignages de mon entourage, ça vaut grave le coup parce que c'est une série qui est tellement virale en vrai. Et c'est pour ça moi j'ai un peu de mal avec tout ce qui est viral, c'est-à-dire tout ce que les gens y font. Moi j'attends que la hype elle redescend avant de commencer à aller voir. En tout cas là les chaussures là j'adore, j'ai l'impression que c'est des chaussures qui reviennent même en 2018 à la mode. On va déshabiller notre petite movie store, voilà. En vrai elle est flippante hein, j'ai toujours... Il y a encore des gens au jour d'aujourd'hui qui me disent si je me suis fait pirater à cause de mon look. Mais moi je le trouve trop bien ce look, je le trouve excellent. En tout cas, le look là, il est sympa. J'adore son visage. Non, je dis pas ça juste pour les yeux. Mais là, regardez, les chaussures déjà, je valide. Les chaussures là, je valide. Friends don't lie. Je suis tout à fait d'accord avec ce t-shirt. Donc pour ceux qui sont pas ouf en anglais, ça veut dire les amis ne mentent pas. Bon, malheureusement, si vous avez des amis qui mentent et qui sont pas des vrais amis. Hein. Bon, après, des fois, il y a les mensonges. Des fois, il y a des vérités qui sont pas forcément bonnes à entendre ou à dire. Mais bon. Ah, oh, merci Jojo Loli, merci beaucoup pour la salutation, merci beaucoup, c'est super gentil, gros bisous à toi. Merci, merci. Et ici, nous avons... Ça j'adore. En vrai, je me suis acheté un truc de ce genre-là, IRL, mais je crois qu'ils se sont trompés, ils ont dû m'envoyer une taille XL parce que je flotte dedans alors que j'avais commandé une S. Et du coup, je l'ai jamais porté et je suis trop de tristesse, voilà. Et puis bon, même les finitions, ils étaient dégueulasses. Ben, c'était sur Wish, quoi. C'était, je crois, l'un des seuls... J'ai pas eu beaucoup de déceptions sur le site Wish, mais là, pour le coup, c'en était une. Mais sur Movistar, ça rend super bien. J'adore le haut-là aussi, surtout à cause des couleurs. En fait, j'adore parce que là, vous voyez, des couleurs assez, assez cool. Ça, j'adore. Je valide, c'est trop beau. Si on change de couleur, c'est quoi? C'est les rayures qui changent de couleur, c'est ça? Non, c'est les boutons. Donc, par exemple, je mets les boutons en noir. Et ça, ouais, même en noir, regardez, ça, c'est beau. Hein. Franchement, il y a moyen de dans toutes les couleurs, je pense que ça passe bien. Franchement. Ou attendez, on va tester aussi en blanc. Avec les boutons beige. J'ai envie de mettre des boutons beige. Ouais, comme ça. Regardez, ça passe super bien, ouais. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, ça, pourquoi ça vaut 5 diamants, Golden? Il est cool, le pull. Ça me fait penser un peu aux couleurs Lacoste. Je crois que c'est Lacoste. Non, c'est quoi? C'est quelle marque qui fait les couleurs vert et rouge? J'ai tellement peu de marques, en vrai. À part en chaussures où je porte des Nike ou des Puma. J'ai pas vraiment d'habits en soi de marque chez moi. J'ai pas de sac de marque, j'ai pas d'habits de marque. J'ai juste des chaussures de marque, c'est tout. Et encore, j'en ai pas non plus beaucoup, des chaussures de marque. Donc, je sais plus. Attendez. C'est pas Gucci? C'est pas le Gucci Gang qui fait... Je sais plus. Bref, je dois dire des conneries. Enfin bon, on va passer à la deuxième page quand même. Alors ça, c'est sympa. Sauf que ça fait quand même... J'aime pas juste le col, en fait. J'avais une veste à un moment avec un col comme ça et j'aimais pas du tout. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça fait genre trop chelou. Et puis la veste, elle va pas du tout avec les couleurs du t-shirt en dessous. Mais après ça, on peut modifier, donc ça va. On peut modifier, heureusement. Mais je suis pas fan. Strange. Là, les petites bottines. La coupe là. Elle est sympa, la coupe. Mais je crois que c'est une coupe qui existait déjà avant. Faudra aller vérifier. Par contre, là, il y a une coupe. Ouais, je trouve que la coupe, je ne sais pas. Soit c'est mes yeux qui vont pas du tout avec. Ouais, c'est peut-être à cause de mes yeux que ça rend pas bien. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je suis demandée à l'accueil. Regardez, ça rend bien avec la couleur de peau, ces cheveux-là. Aussi la jupe là, bon je pense que la jupe elle y était déjà avant. Par contre la veste, j'adore, je valide la veste, elle est super. Le sac il est pas mal aussi. Et il y a moyen de faire, oh non mais des diamants, ça coûte des diamants. Pourquoi à chaque fois il y a des trucs bien? Bon en même temps c'est logique. Mais pourquoi?
avec un t-shirt et tout, la jupe et tout. Même comme ça, franchement, le look il passe. Hein. Bon, c'est au niveau des couleurs, c'est pas super. Ah si, les chaussettes, elles sont raccordées. Les chaussettes, elles sont raccordées. Excusez-moi, je vais éteindre mon téléphone parce que sinon, je vais pas réussir à finir avec la vidéo. C'est terrible. Laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait, je suis gentille. Enfin bon. Non. Ensuite. Oula. Eh hey, je pensais pas que ça lui irait aussi bien. Mais en vrai, ça lui va bien. En noir, ça claque aussi. On va tester en blonde. En blonde aussi, ça claque. Franchement, avec les lunettes. Désolée, j'ai l'impression de regarder un film des années 80. Surtout avec des grosses lunettes. Mais ça, on met genre... Voilà, avec des lunettes en noir, tiens. Regardez, on dirait pas... comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Avec les pantalons comme ça. Oh ouais, et même les shorts là. Ce qu'il portait dans les écoles dans le temps. Oh, regardez, il y a la veste de limonade. Oh, ça va par-dessus l'autre veste. Regardez. Eh, on tient un truc là. On tient un truc. Mais là, ouais, non. Après, ça c'est bien, ok, ça c'est cool. Ouais, les cheveux, sans plus pour les cheveux, personnellement. Quatrième... Ouh, des patins, le retour des patins. C'est vrai que dans le temps, c'était pas des rollers, c'était des patins. Non, ils sont sympas. Changer juste la couleur, mais même la couleur comme ça, ça va encore. Surtout avec la veste. Là, bon, ça, c'est des cheveux que... Ouais, j'en ai plein de ces cheveux-là. Je crois que c'est des cheveux que l'on gagne aussi en montant des niveaux. Bon, ça existait déjà avant, c'est pas nouveau. Ah, le pull jaune. Eh, j'aime bien parce qu'il y a pas mal de couleurs jaunes dans ce thème. Hein. J'aime bien. Et ça, c'est quoi? Ok. On va l'enlever tout de suite. Et ça, si je mets... vu que le haut, il est jaune. En blanc, bien. Un petit rappel avec le col. Ça, on enlève. Regardez, avec le sac. Bien sûr, on change la couleur du sac. Est-ce qu'il y a une cinquième page ou pas? Non, il n'y a plus de cinquième page. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais juste changer la couleur... du sac qui est, je crois, page 2. Voilà, peut-être un marron un peu plus foncé. Il n'y a pas un peu plus foncé que ça encore? J'arrive pas à faire un brun comme ça. Ouais, celui-là il passe. Et par contre, les chaussures, je peux pas mettre des patins. Les chaussettes, j'essaie de faire un look sans utiliser de diamants. Et là, il y a un truc qui utilise des diamants. C'est quoi qui utilise des diamants? C'est quoi qui utilise des diamants? Je me dis pas que c'est le haut. Ah, c'est le sac. Ah, ouais, mais de toute façon, le sac, j'allais l'acheter de toute manière, donc c'est pas bien grave. Au niveau des chaussures... Peut-être plus les noirs, là. Ça fait quand même un look scolaire. Un look scolaire des années 80, quoi. Est-ce qu'on reste sur ces couleurs-là? Ou est-ce qu'on part... Ouais, non, je pense qu'on va rester sur du noir. On va rester sur du noir. Et les chaussettes. Soit on les enlève, mais moi j'aime bien les chaussettes, ça rajoute un petit truc scolaire à la tenue. Ou bien, ouais, mettre plutôt celle-là. Celle-là, c'est encore mieux. Par contre, les chaussures, je sais pas, j'aime pas trop en soi. Je sais pas si c'est le noir qui... Non, je sais pas. Je sais pas trop. Peut-être ces chaussures là. Ouais, mais blanc sur du blanc. Non, je sais pas, j'arrive pas. Les chaussures, je n'y arrive pas. Dites-moi ce que vous auriez mis, vous, mais... Et moi, les chaussures, non. Ah là là. Parce que le collant, j'aime bien. Faut peut-être que je mette les chaussures en noir. Ouais, mais regardez, je sais pas, ça me... J'aime pas. Je sais pas. Ah là là. Peut-être cela. Si on met ça et que là, je sais pas, on met du jaune pour faire un rappel de couleur. Bah là, ça fait déjà mieux. Peut-être faire un gris au lieu d'un blanc. Ouais, un petit gris, genre faire un peu les chaussures un peu plus usées en fait. Et des lacets noirs. Non, les noirs, ça pète les yeux. Là, c'est gris. Ouais, comme ça fait mieux parce qu'au moins on voit qu'elle porte des chaussures, qu'elle n'est pas juste en collant. Mais sinon, la tenue, franchement, dites-moi si vous aimez bien ou pas. Je pense pas que je vais l'acheter. Mais c'était juste pour faire une tenue comme ça pour le thème. Et ben, je vais quand même répondre un petit peu au message, même si la vidéo elle est un petit peu longue. On va répondre un petit peu au message.
Ah, juste une chose avant, parce que Stranger Things, il y a moyen aussi qu'il y ait des animations assez cool. Vu le thème de la série. Alors, c'est quoi, c'était Pancake? Ok, ça c'est cool, ouais, je me rappelle ça, ils avaient des têtes qui volquent dans la série. Ensuite, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais? Elle est vénère? Ah non, regardez, elle a un truc qui sort du nez. Elle a une crotte de nez qui sort. Elle a une crotte de nez. Merde. Ah, ça c'est cool. Avec le vélo. Franchement. Oh, regardez. Ah, c'est trop bien, c'est flippant. Ah, moi je l'achète. Where am I? Et là? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh mon dieu! Ah, je l'achète direct! En plus, ça va super bien avec mon animation. Et là? The Power of Mind. Ouais. C'est quoi? Et franchement, elles sont toutes trop cool. Sauf les pancakes. Mais bon, ça va, les pancakes, c'est pas bien grave. C'est avec des diamants, donc tant mieux pour moi. Hop là. Et là, je pense que c'est tout. Après, c'est... Ouais, après, c'est l'ancien thème. Bah écoutez, on va le mettre, hein. Animation. Ça doit être dans Exalté Barjou. Ouais, c'est celui-ci. Voilà. Ah, ça va trop bien. En plus, ça va trop bien avec les couleurs de la robe. J'adore. En plus, après, elle reste comme ça. Ah, c'est trop bien. C'est trop flippant. Mais c'est trop bien. On va voir les derniers messages. Ah. Je t'adore, Kinzel. Merci. Attends. On va faire des bisous. C'est quoi la musique? Alors. Oh, merci, merci, merci. 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 Malheureusement, je peux pas faire autant d'auto. Je t'adore. Ouais, c'est pour ça un peu que je vous disais que c'est pas forcément intéressant pour vous de me voir répondre aux messages, parce que souvent, c'est justement des merci pour les autos, genre un petit peu d'auto. Les gens me disent, ouais, je t'adore et tout ça, donc c'est à peu près toujours la même chose. Du coup, c'est pour ça que je disais que c'est pas forcément intéressant pour vous que je le fasse en vidéo. Bien sûr, je le fais quand même en dehors de la vidéo, mais voilà. Tu m'arrêtes? Bah oui. Elle pète un plomb. Et tu pourrais faire un souhait à ma soeur. C'est quoi son pseudo? Je sais pas si elle me répondra maintenant, mais je vais te donner un autographe. Kinzel, ma femme. Attention, si la loi elle voit cette vidéo jusqu'au bout. On va faire un bisou. coucou, oui. Tu peux me mettre en ami. Attends, on va lui envoyer une invitation. Hop là. Les diamants, diamants, diamants. Oh la michto. Oh la michto des diamants. Pourquoi à chaque fois ça fait un bruit comme ça? Alors j'ai désactivé le son, je comprends pas. Salut Kinzel, une fille qui s'appelle Princesse Dia s'est fait passer pour toi. Elle me dit qu'elle va me faire VIP et me relooker. Elle m'a acheté des vêtements et elle m'a dit que je suis VIP mais que ça se voit. Donc du coup j'ai des corocos et ça ne se voyait pas. Après elle m'a dit qu'elle filme, c'était pour te dire qu'elle se fait passer pour toi. Je t'adore, t'es la meilleure, continue. Et aussi elle m'a dit que sa vidéo va sortir le 5 octobre. Mais c'est quoi ces bruits là? Ah, en fait c'est dans mes mails. Ok, c'est bon. Ouais, comme je disais, encore une fois, je sais que des gens se font passer pour moi dans MSP. Je sais qu'il y a même des gens qui sont passés pour moi sur Discord. Je sais qu'il y a des gens qui sont passés pour moi sur Steam. Je sais qu'il y a des gens qui se sont passés pour moi. Je crois que même sur Overwatch à un moment donné. Bon, Overwatch c'est arrivé qu'une seule fois, je crois. Mais pour vous dire qu'il y a des gens qui se font passer pour moi dans plusieurs jeux, sur plusieurs plateformes, sur plusieurs réseaux sociaux. Encore une fois, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. En dehors de ces réseaux sociaux, si y a quelqu'un qui vous parle et que ça n'est pas inclus dans ma description, c'est que ce n'est pas moi. Après, encore une fois, ne vous faites pas avoir, parce qu'il y a des gens... En plus, le pire, c'est quand des gens, justement, ils ont même pas le même pseudo, quoi, vraiment. Genre, Princesse de A, ça n'a rien à voir avec 15S, c'est même pas un compte fan ou quoi, vraiment. Il y a même des pseudos, ça a complètement rien à voir. Enfin, pourquoi je serais sur des comptes autres que les miens, quoi, pour vous parler?
Il arrivait une seule fois où je me suis fait passer pour moi-même avec un autre compte, juste pour une expérience sociale, pour rigoler. Et cette fois-ci, voilà, c'est cool parce qu'il y a des gens qui y ont pas cru, donc voilà. Mais apparemment, il y a quand même des gens qui y croient encore. Donc encore une fois, faites super attention. Mon compte principal, le seul auquel vous devez croire, c'est 15Z espace YouTube, comme écrit ici, niveau 51 actuellement. Donc c'est difficile même pour quelqu'un qui recrée un compte avec le même pseudo en utilisant le glitch des espaces, donc mettre des espaces pour avoir exactement le même pseudo que moi, pour aller jusqu'au niveau 51, bonne chance à lui si c'est juste pour se faire passer pour moi. Donc je ne pense pas que ça arrivera, donc voilà, faites super attention. Bah écoutez, on va finir cette vidéo sur ça, et bon, je suis désolée de me répéter parce que pour les gens qui me suivent et qui regardent régulièrement mes vidéos, je dois vous saouler à chaque fois en reparlant de ça, mais regardez, ça arrive encore aujourd'hui. Tous les jours je reçois ce genre de messages, tous les jours je reçois des messages, que ce soit sur MSP ou sur Discord, des gens qui me disent ouais, soit c'est des gens qui se sont fait avoir, qui me disent ouais, 15L, il y a même des gens qui me disent ouais, à cause de toi, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour toi et je me suis fait pirater. Enfin, c'est pas de ma faute non plus si vous croyez des gens qui vous prennent votre mot de passe. En plus, je vous l'ai dit 15 000 fois, je ne demande jamais votre mot de passe. Si j'ai envie de vous mettre VIP, je vous donne une carte cadeau. Pour vous donner une carte cadeau, je n'ai pas besoin de votre mot de passe, je n'ai pas besoin d'aller sur votre compte. Encore une fois, voilà. Bon, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je vais m'énerver et j'ai pas envie de m'énerver. Et bah écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao! And you haven't seen the best of me yet.